J'ai démarré en fait au sein de l'agence de Bailleul par un stage dans le cadre de mon BTS, ce qui m'a permis du coup de me tourner vers la licence et j'ai démarré en licence l'alternance du coup au sein du centre d'appel du Crédit Agricole. Il y a énormément de choses à apprendre, c'est un domaine très vaste. Donc en fait l'alternance m'a permis de lier la pratique à la théorie, ce qui permet déjà d'avancer beaucoup plus vite dans le sein du monde professionnel et aussi pour obtenir le diplôme, c'est beaucoup plus facile d'appliquer ce qu'on apprend. Moi, j'ai choisi le centre de relations clients tout simplement parce que ça m'apporte énormément d'aisance à l'oral. Ça nous apprend l'écoute active, à bien entendre le problème de client et puis voilà, apprendre à proposer des solutions adaptées. Et c'est vrai que la relation à distance aide beaucoup, ça fait mûrir, ça fait grandir et ça nous apprend énormément de choses. On n'est pas lancé dans le grand bain comme ça, seul, on a une formation, on est très accompagné, que ce soit par les formateurs du travail ou par les formateurs de l'école. Donc c'est vraiment très formateur et puis on y arrive tout en douceur. L'alternance, pour moi, c'est un avantage déjà dans la vie professionnelle, dans le sens où on est très accompagné, très bien formé. Ça facilite vraiment l'embauche à l'issue du diplôme parce que voilà, on a déjà su faire nos preuves. Et au niveau personnel, ça aide aussi énormément dans le sens où on peut démarrer dans la vie. On a un salaire tout en continuant de se diplômer. Idéalement, au niveau de mon évolution, ce que j'aimerais, c'est de pouvoir me former sur tous les pôles ici, donc que ce soit j'ai déjà fait la banque au quotidien, j'ai déjà fait le crédit, je vais bientôt démarrer l'assurance et puis ensuite pouvoir partir prendre un poste de conseillère clientèle en agence.